Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur le thème de Noël. Vous savez que j'adore la période de Noël, donc aujourd'hui les amis j'ai eu envie de vous présenter 10 idées de cadeaux de Noël magnifiques, hyper stylés, à adopter absolument et à rajouter sur vos wishlists aussi bien sûr, puisque le Père Noël n'est pas encore passé il me semble. Donc voilà, en tout cas bien sûr en fait j'ai reçu 10 nouveautés vraiment magnifiques, trop bien et tout, et je me suis dit tiens il faut que tu présentes ça à ta Makeup Chic Family. Donc voilà les amis, comme toujours si vous aimez ce type de vidéo mettez plein de gros pouces en l'air dès maintenant, allez-y c'est parti. Et aussi je tenais à vous remercier puisque vous êtes très nombreux en ce moment à vous abonner. Je sais pas ce qui se passe mais merci à tous, vous êtes très nombreux à liker mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Et la Makeup Chic Family ça grandit. Donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant en cliquant juste là, tout de suite. Et puis si t'es pas abonné, c'est qu'il y a un problème d'ailleurs, donc t'inquiète pas, on t'attend. Voilà, donc clique juste ici. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche juste en dessous de ce côté-là aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est parti, j'envoie la vidéo. Let's go! Alors déjà, en première idée de cadeau de Noël, les amis, bien sûr, je vous présenterai la magnifique Christmas box de chez Peggy Sage, voilà, qui se présente comme ceci. Oh, regardez comment c'est trop joli. Ça sent super, super bon. En plus, c'est trop agréable. Ça sent trop trop bon. Donc voilà, c'est une box spéciale Noël. Une box spéciale Noël, voilà, de la marque Peggy Sage. Franchement, je suis trop contente. Je sais pas si on dit Peggy Sage ou Peggy Sage. Mais en tout cas, le make-up qui est à l'intérieur est juste trop beau. Donc n'hésitez pas à craquer. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc je vous la présente. Alors déjà, on a un cracker, voilà, comme ça. Macaron à la framboise, voilà, qui est comme ceci. Ça sent trop bon. Ça sent super super bon, donc voilà, ça se présente comme ceci, je vais ouvrir. Donc là on a, alors macaron framboise, crème main, voilà, une petite crème qui se présente comme ceci. Alors attention, je vais sentir, waouh, ça sent super super bon. Ça sent trop bon les amis, donc n'hésitez pas à offrir des petits soins comme ça, des petits produits soins, c'est vraiment trop cool. Et il y a également le petit baume pour les lèvres, voilà, qui est comme ceci aussi. Senteur macaron framboise, ça a l'air vraiment trop trop cool et franchement j'adore ce style de produit. Donc voilà déjà pour commencer. Ensuite bien sûr, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé le petit emballage qui est trop chou, il est beaucoup trop mignon, franchement j'aime trop. Donc ensuite on a, alors attention il y a plein de trucs, c'est trop cool. Regardez, c'est trop cool, il y a plein de choses. Donc je vais prendre ceci. Donc là on a deux beauty blenders, donc l'un qui est... il a une forme très originale, voilà, j'aime trop, ça a une forme un petit peu Noël, etc. que j'adore. Et juste à côté, donc une forme de sapin, bien sûr. Et juste à côté, on a une forme, voilà, les formes habituelles. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est un set make-up sponge, voilà, qui est vraiment trop, trop, trop stylé. Franchement, j'adore, quoi, trop beau. Donc c'est plutôt cool et ça rappelle vraiment l'esprit de Noël, donc c'est trop bien. Ensuite, il y a plein de petites paillettes de ce côté-là. Donc là, oh, j'adore, c'est trop bien. Ça, pour le make-up du 31 et aussi le make-up de Noël, ça peut être trop cool. Donc n'hésitez pas les amis, donc là c'est un eyeliner pailleté, j'adore la couleur, j'aime trop quoi, c'est trop beau. Là on a un autre eyeliner pailleté, voilà, d'autres couleurs, elles sont trop belles les couleurs, franchement elles sont trop jolies, donc franchement j'adore, je valide. Là on a un rouge à lèvres, waouh. Donc alors vous avez, attendez, comment ça fonctionne ça? Donc il y a première étape ici et deuxième étape ici, trop trop bien. Donc là vous mettez une petite couleur sur les lèvres, attendez je vais vous montrer. Oh, c'est trop fun ça. J'aime trop les trucs comme ça, moi. Donc voilà, vous avez votre petite couleur ici. Voilà, hop, vous en appliquez un tout petit peu. C'est un petit peu un effet vieux rose nude que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore ce style de couleur. C'est un petit peu la même couleur que mon haut, donc c'est trop cool. Et de l'autre côté, voilà, l'étape numéro 2, vous avez ceci. Oh, les petites paillettes par-dessus. C'est trop stylé, c'est trop mignon. J'adore. J'aime trop 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 le rouge comme ça. Donc voilà pour ça, ça a l'air très innovant et franchement j'adore ce type de produit. Et enfin on a un autre eyeliner, il me semble, voilà, pailleté bleu comme ça, trop trop beau quoi, franchement j'adore. Donc voilà pour la box. Ensuite c'est pas fini les amis, il y a encore plein d'autres surprises et c'est trop cool. Donc moi Peggy Sage c'est une marque que je connaissais il y a très longtemps et franchement je suis trop contente de pouvoir vous la redécouvrir avec vous. Et je vous ferai bien sûr un tuto très prochainement, donc restez connectés. Là on a des fossiles, ah je suis trop contente, je voulais en acheter en plus et j'en ai acheté. D'ailleurs, voilà, là c'est des nouveaux que je porte aujourd'hui, mais je sais pas trop si je les aime bien ou pas, mais ceux-là ont l'air vraiment pas mal du tout, regardez. Oh, je savais même pas que Peggy Sage faisait des fossiles quoi, c'est trop cool. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts, je suis trop contente, franchement je suis trop 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 contente, ils sont trop beaux et moi je suis une dingue de fossiles, je peux pas m'en passer. Donc voilà, je suis trop 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 contente. Et vous avez aussi la colle qui est inclue à l'intérieur, donc c'est vraiment trop bien. On a aussi, oh c'est quoi ça? Regardez les amis, voilà, ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël, hein. La petite box, elle est trop canon. Donc là, on a Glittery Essence, voilà. Donc ça, c'est pour le visage et pour le corps. Et ça, c'est trop bien aussi à Noël et pour le 31 de mettre un petit peu de paillettes sur son corps, sur le visage aussi pour faire son highlight, ou voilà, sur les paupières, bien sûr. Et pour le corps aussi, c'est vraiment trop trop bien. Donc voilà, ça se présente comme ceci. J'adore le petit emballage. Ah, d'accord, c'est comme ça, regardez. Oh, c'est trop stylé, j'aime trop.
Voilà, mais oh, c'est trop beau. Oh, je sais pas trop si ça va ressortir. Ouais, je pense que vous voyez bien, vous voyez, il y a plein de reflets dorés, bien sûr, mais un petit peu rose, vert, etc. Et c'est vraiment très, très beau, quoi. C'est trop beau. Donc, bien sûr, après, on l'estompe un petit peu sur la peau. Oh, et ça fait vraiment un effet brillant, très joli, que j'adore. Donc, voilà, vous allez scintiller 2000 feux, les amis. Ensuite, il y a un autre eyeliner, trop bien. Le silver, voilà, argenté comme ceci. Et on a aussi une belle trousse. Elle est trop bien cette box, la Christmas box, là, elle est trop bien, bravo Pegisage, c'est trop bien. Et voilà, merci beaucoup Maëlys aussi, je te fais des gros bisous, c'est trop gentil, puisque c'est elle qui m'a offert cette belle box. Donc là, on a la trousse Pegisage aussi, elle est trop mignonne, franchement, elle est trop mignonne avec le petit nœud brillant comme ça, pailleté, c'est trop beau. Et elle est super grande, moi j'adore ce style de trousse quand je pars voilà, en voyage avec mon copain, etc. J'adore ce style de trousse, donc voilà, elle est très grande et c'est trop cool. Et aussi, dernière chose, puisque c'est pas fini, franchement, elle est vraiment complète cette box. Franchement, c'est une super idée de cadeau de Noël. Là, on a, oh, des pinceaux. Regardez la petite trousse, la grande trousse, j'ai envie de vous dire, voilà, avec tout plein de pinceaux à l'intérieur. Donc c'est vraiment très très cool, franchement j'adore. Oh, j'adore, j'aime trop. Oh, les petits pinceaux comme ça, ça c'est bien, pinceau pour les lèvres, voilà, super fin. Moi je les utilise aussi pour faire mes sourcils, voilà, pour mettre un petit peu d'anticerne juste en dessous. Il y a de tout, franchement il y a de tout, c'est trop bien. Vous avez un goupillon, plein de pinceaux pour les yeux, estompeur, blender, voilà. Et des pinceaux pour le visage, pour faire son contouring, etc. C'est trop cool. Donc voilà pour cette box là, honnêtement j'aime beaucoup beaucoup, il y a plein de produits, etc. Pour Noël, c'est vraiment trop trop bien. Donc n'hésitez pas à craquer, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à l'offrir ou à vous l'offrir, parce que ça c'est plutôt pas mal et j'aime beaucoup beaucoup. Autre idée de cadeau vraiment génial les amis, bien sûr j'ai nommé Daniel Wellington. Oh là là, franchement j'adore. Donc ils ont fait vraiment un magnifique coffret de Noël trop trop beau, qui est à moins 10% en ce moment sur le site. Donc n'hésitez pas à craquer, et avec le code CHICMAKEUP vous avez moins 15% en plus, donc ça vaut vraiment le coup. En tout cas, regardez comment c'est trop joli, c'est juste magnifique et j'ai trop trop hâte, beaucoup trop hâte de vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Ouhou, voilà, hop. Et regardez, franchement c'est magnifique, c'est trop beau. Quand j'ai ouvert ça, je me suis dit wow, c'est quoi cette merveille, c'est trop 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 canon. Donc regardez, c'est trop joli. Donc vous avez bien sûr la belle montre silver juste là, qui est trop trop belle, elle est toute jolie, etc. Je l'ai aussi en doré, je vais vous la montrer juste après. Et vous avez le magnifique classique bracelet silver, voilà, qui est trop beau aussi. Attendez, je vais vous montrer comment c'est. Hop là, voilà, il est comme ceci, trop joli quoi, il est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment à la mode, vous savez que Daniel Wellington c'est vraiment la folie, tous les influenceurs on les a, ces montres là, elles sont vraiment trop trop belles. Donc n'hésitez pas vous aussi à craquer les amis, franchement elles sont trop trop jolies. Donc je sais pas pourquoi, mais j'ai reçu aussi deux autres montres magnifiques de chez Daniel Wellington qui sont vraiment trop trop belles. Celle-ci c'est vraiment ma préférée, elle est trop jolie quoi, je l'aime tellement. Voilà, elle est trop trop belle, donc n'hésitez pas à craquer aussi, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, et avec mon code promo CHICMAKEUP vous avez moins 15% sur tout tout tout, et même sur toutes les promos en cours les amis. Donc voilà, elle est comme ceci, elle est trop belle. Oh, elle est trop jolie, c'est la folie, elle est trop trop belle. Donc voilà, celle-ci, et j'ai aussi celle-ci, voilà, qui est trop classe aussi, je la trouve vraiment trop trop bien. Passe-partout, franchement elle est trop belle aussi, elle fait vraiment très chic et très classe. Donc voilà, je l'aime trop aussi, elle est trop trop belle. Et aussi les classiques bracelets, j'en ai trois en tout. Regardez, donc il y a bien sûr le blanc et doré que je trouve absolument magnifique, il est magique, il est vraiment trop trop beau. Voilà, donc ça j'aime bien le mettre avec cette montre là. Voilà, hop là, comme ceci, vous voyez, ça fait vraiment un effet trop canon que j'adore. Oh, c'est trop beau. Et on a aussi, bien sûr, l'autre bracelet qui est comme ceci, rose gold, rose et tout. Enfin, franchement, j'adore. Donc voilà pour les classiques bracelets et les petites montres. Et bien sûr, ce coffret qui est juste trop, trop beau pour Noël. N'hésitez pas à craquer. Franchement, ça ferait super plaisir à vos proches, ça, j'en suis certaine. Et ça vous ferait plaisir à vous aussi, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à craquer. On n'oublie pas mon code promo CHICMAKEUP pour avoir des belles réductions. Ensuite, les amis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous présenter? Et bien sûr, un gros coup de cœur que j'ai eu pour ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? À mon avis, je pense que vous savez. Oh, j'essaye de l'attraper sans le casser, bien sûr. Donc pour cette magnifique bougie Good Vibes Only de chez Jewel Candle en collaboration avec la youtubeuse Sananas. Franchement, quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Honnêtement, j'ai craqué. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Donc voilà, vous avez une belle bougie avec un design très 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 magnifique. La déco, voilà, c'est trop beau quoi. Franchement, magnifique packaging, design de folie. Donc quand on ouvre, c'est comme ceci. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Je la sens pour la première fois en direct les amis, et sincèrement je vous dis honnêtement j'adore. Donc vous avez voilà une petite odeur orientale gourmande
qui sent vraiment trop bon, je vous assure, ça sent trop trop bon, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le packaging et aussi la petite citation qui est juste là, good vibes only, voilà, des bonnes vibes dans vos bougies. Franchement, j'ai trop aimé le concept aussi. Donc en fait, je vous explique, vous avez un bijou dans chaque bougie, donc c'est trop bien. Vous avez une belle bougie qui sent divinement bon, vous avez un beau bijou, alors il est soit en argent, mais également peut-être en or ou en diamant, donc c'est vraiment la folie, c'est trop stylé, franchement j'ai trop aimé le concept. Elle est trop belle, honnêtement je reçois beaucoup beaucoup de bougies les amis, mais c'est vrai que j'en fais pas très souvent brûler chez moi, mais celle-ci franchement je la trouve vraiment hyper hyper canon. Ça aussi c'est trop mignon, franchement j'adore, c'est trop trop bien fait, c'est très joli, je vous le dis honnêtement, j'aime beaucoup. Et en fait voilà, au niveau de l'odeur c'est oriental, c'est gourmand, c'est sucré, j'aime beaucoup. Et vous avez en fait, ça sent trop bon, vous avez du coco bien sûr, de la vanille et aussi du musc, voilà un petit peu tout ça, et c'est vraiment très agréable, surtout pour la saison actuelle, voilà, en hiver. Donc voilà, très très beau packaging, très belle bougie, vous avez un petit peu un beau cadeau 3 en 1 qui fait une belle déco, dans laquelle vous pouvez mettre vos pinceaux, vos crayons, etc. Regardez un petit pot, voilà, c'est réutilisable, vous avez une belle bougie qui sent bon, et un beau bijou à l'intérieur, que demander de plus? Donc franchement j'aime beaucoup beaucoup, donc encore une fois bravo, et franchement c'est trop stylé, je l'aime trop, elle est trop belle. Au secours, alors là pour ma je ne sais pas combien idée de cadeau, franchement j'ai reçu un truc incroyable de la marque Givenchy, franchement merci beaucoup à Givenchy et à Chloé, ça me fait trop plaisir, c'est trop adorable, donc regardez, oh, c'est trop beau. Donc si vous voulez faire plaisir à vos mamans, vos copines, messieurs, etc, n'hésitez pas à leur offrir une belle marque comme ceci, des beaux cosmétiques. Donc je vous montre un petit peu, vous avez le bel emballage qui est comme ça, et quand on ouvre, attention, ta-da-da. Waouh, c'est trop joli, c'est trop magnifique. Donc je vous montre le beau rouge à lèvres maille rouge, c'est trop canon, c'est trop trop beau. Donc voilà, le magnifique rouge à lèvres de chez Givenchy. Donc en fait je vous explique, juste là vous avez le tout nouveau rouge à lèvres qui est trop trop beau, franchement super classe, super chic. Je vais vous montrer, vous avez le beau packaging déjà pour commencer, avec le petit logo de chez Givenchy juste là, et quand on ouvre, ta-da-da. Il est trop beau, la couleur elle est vraiment très très belle. Donc un beau rouge vif de femme fatale, franchement. Donc voilà, quand on le met ici, voilà ce que ça donne, le petit swatch. C'est super intense, super bien pigmenté, et c'est une chose que j'adore énormément chez Givenchy. Donc voilà, il est vraiment très joli. Vous avez aussi le petit logo de chez Givenchy ici également. C'est trop classe, franchement, vous dégainez ça de vos sacs à main, etc. C'est trop trop beau. Donc surtout n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et bien sûr, messieurs, bien sûr, faites plaisir à vos copines. Et n'hésitez pas à faire plaisir à votre maman. Ça, c'est vraiment une marque magnifique qui cartonne énormément. Et c'est vraiment trop trop beau, quoi. J'adore, je suis trop contente. Donc encore une fois, merci beaucoup Givenchy. C'est vraiment trop beau. Et en plus, c'est pas fini. Ce n'est pas fini les amis, puisque là franchement Givenchy ne fait rien à moitié. J'ai reçu aussi ceci. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Donc là aussi je pense que ça va vous donner des belles idées de cadeaux de Noël. Donc alors attendez, j'enlève ce petit papier de soie. Et du coup alors attendez, on a les petits emballages. Regardez, je suis trop contente. Je vous montre un petit peu comment c'est. Voilà, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai reçu. C'est vraiment la folie les amis. Du coup alors, j'enlève les emballages. Oula, voilà. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Donc déjà pour commencer, on a ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Alors là c'est, attendez je vais vous montrer, c'est le Mystic Glow Powder. Voilà, donc en fait Mystic Glow Powder c'est un petit peu, attendez, une poudre highlighter peut-être, je sais pas. Oh, elle est trop belle, elle est trop belle. Oh my god, je vous éblouis là. Elle est vraiment trop jolie, vous avez aussi le petit pinceau ici, donc c'est vraiment trop cool. Et franchement, un bel highlighter comme ça, trop canon, trop classe, je suis vraiment très contente. Donc voilà, ensuite, je vais vous faire des tutos très bientôt avec, ne vous inquiétez pas. On a encore un beau rouge à lèvres, mais alors là, le packaging, il est magnifique, il est vraiment trop trop beau. Super classe, on dirait de l'or tellement il est magnifique. Donc j'ouvre pour voir un petit peu. Et aussi un beau rouge encore une fois. Donc je pense que c'est le même, non, carmin escarpin. Oui, à peu près le même je pense, je sais pas. Mais voilà. Non, je crois qu'il est plus foncé celui-là. Mais en tout cas, vraiment très très, très joli aussi. Et le packaging, une merveille quoi. Ça aussi, n'hésitez pas à l'offrir à vos proches. Franchement, ça fera hyper plaisir et je suis jamais déçue des produits Givenchy. Donc je suis trop contente. J'ai aussi, alors, tada, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est un crayon bras paupières et liner biteinte. Ah, je connaissais pas du tout. Donc voilà, une belle nouveauté aussi de chez Givenchy. Oh, regardez. Oh, attendez, est-ce que vous voyez bien? On tourne ici. Oh, c'est trop canon. Oh, et dès qu'on passe ça, oh, c'est vraiment innovant. Je connaissais pas du tout. Dès qu'on passe ça, oh, c'est trop beau, regardez.
Voilà, je pense que vous voyez bien, là on a un beau marron nacré et une couleur super super jolie qu'on peut mettre en paupière mobile. Donc ça aussi je testerai dans un prochain tuto, soyez au rendez-vous, restez connectés les amis. Alors, en tout cas bravo Givenchy parce que ça c'est vraiment très innovant, je connaissais vraiment pas. Et ici on a une autre teinte, donc voilà toujours l'ombre à paupières. J'aime beaucoup, oh j'adore. Regardez en fait, je crois que c'est doré et un marron un petit peu plus clair que l'autre. Trop beau quoi, trop joli. Et vous voyez ça ressort super bien, super intense. Le doré il est trop beau aussi, oh, j'aime trop trop trop. Donc voilà, super innovant ces petites ombres à paupières double teinte, bi-teinte, franchement c'est trop cool. Donc voilà, oh my god, au secours les amis, je craque complètement. Franchement c'est vraiment trop beau quoi. Très très belle collection Mystic Glow, collection de Noël de chez Givenchy. On adore, c'est magnifique, c'est juste trop trop beau. Et enfin, j'ai ceci. Donc là, c'est le prisme libre, voilà, la poudre libre, matité et éclair rehaussé qui se présente comme ceci. Donc voilà, trop hâte de la tester aussi. Oh, c'est trop beau. Ah, c'est vraiment trop beau, franchement c'est Noël avant l'heure là, franchement là c'est vraiment canon, je suis trop contente. Donc voilà les amis pour ça et franchement gros coup de cœur pour le beau collector aussi qui est vraiment trop trop beau. On peut changer de capuchon à chaque fois, vous mettez le bleu etc, voilà vous mettez un petit peu comme vous voulez. J'aime beaucoup le bleu, il est vraiment très original, j'adore, je connaissais pas. Et voilà plein de teintes différentes, on peut graver son prénom aussi. Donc c'est vraiment trop cool, bravo Givenchy, j'adore. Et ça fera une très bonne idée de cadeau de Noël, donc n'hésitez pas à craquer vous aussi, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Prochaine idée de cadeau de Noël les amis, je voulais vous montrer ceci. Alors ça c'est ma maman qui me l'a offert, je l'aime trop, elle est trop mignonne parce que nous dans la famille on s'offre des cadeaux un petit peu tout le temps durant l'année. Donc ça c'est en fait une raclette avec rangement ingénieux, des coupelles etc, voilà raclette et gris, et c'est vraiment trop trop bien pour des repas en famille ou entre amis en toute convivialité, c'est vraiment trop canon. Vous pouvez faire griller un petit peu tout ce que vous voulez etc, et je pense qu'avec mon chéri on va se régaler et aussi peut-être pour Noël aussi en famille. Donc voilà, ça se présente comme ceci, vous avez voilà raclette et gris selon vos envies, ça chauffe super bien etc, et c'est trop, trop trop pratique, franchement je suis trop contente. Donc voilà, de la marque Tefal, Simply Invent, voilà pour 6 personnes, elle l'a acheté pour 8 personnes cette fois-ci, mais en tout cas voilà j'aime trop 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 le concept. Donc voilà voilà, c'est une très bonne idée de cadeau de Noël, donc n'hésitez pas les amis, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous avez déjà testé ce petit truc là qui a l'air vraiment très innovant et super fun. Ensuite je voulais vous montrer aussi autre chose qui peut être super utile, c'est bien sûr ce de chez Moulinex, le petit aspirateur. Oui, ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël parce que moi franchement j'en ai acheté 2 cette année et ça m'a sauvé la vie, aussi bien pour aspirer dans mon appartement que dans ma voiture. Franchement voilà, donc ça c'est un autre que j'ai acheté pour qui je sais pas encore, mais voilà, en tout cas je l'ai acheté pour l'offrir aussi, bon bien sûr avec plein de make-up et plein d'autres choses, mais je trouve que c'est super utile. Vous savez quand il y a des miettes de pain un petit peu partout qui traînent etc, et ben on dégaine ça et c'est vraiment trop pratique. Moi personnellement j'adore, je ne m'en passe plus, et voilà, ça c'est un autre truc que j'ai acheté moi-même, donc voilà les amis, c'est un truc indispensable que j'adore, donc je voulais vous en parler. Ensuite je vous présente aussi un bel highlighter de chez Clarins, voilà comme ceci, hop là ça se présente comme ça. Oh, le packaging il est trop beau, collection de Noël les amis 2018, donc voilà édition limitée. Merci beaucoup à Clarins de me l'avoir envoyé, franchement je suis trop contente, j'ai eu toute leur collection de Noël cette année, franchement des choses magnifiques, le calendrier de l'Avent etc que je vous ai montré. Donc là c'est le bel highlighter. Oh, il est trop beau, il est magnifique, regardez les amis, il est pas trop beau, super super joli, franchement j'adore. Donc je vous le swatch, il est trop beau, on dirait, vous savez quoi, on dirait de l'or, on dirait de l'or, on dirait de l'or, c'est un truc de dingue. Et quand on swatch, il est trop beau avec des beaux reflets etc, donc j'ai pas trop appuyé mais vous voyez déjà, j'ai envie d'en mettre. Il est magnifique. Bon, j'ai déjà de l'highlighter, donc voilà. Mais franchement, il est tellement beau que... Oh, franchement, je vois le glow. Vous voyez la différence? Il est vraiment très, très beau, quoi. Il est trop joli. Donc, moi, j'en mets n'importe comment, là. Voilà, mais en tout cas, il est vraiment très, très beau. Vous avez un beau miroir et le packaging est vraiment très canon. Donc, voilà, poudre illuminatrice sculptante, teint et décolleté. On peut en mettre ici aussi, voilà, pour les fêtes. C'est vraiment très, très bien pour Noël et pour le 31. Donc, bravo, Clarins. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment très joli. Et le packaging aussi est vraiment magnifique. Alors là les amis, c'est du lourd ce que je vais vous présenter, accrochez-vous, vous allez vraiment halluciner. Donc attention, je déballe tout ça. Franchement quand j'ai reçu ça, j'étais choquée de chez choquée. J'ai trouvé ça hyper innovant, révolutionnaire. Et là je me suis dit, non Jeanne, on n'est plus en 2018 là, on est en l'an 50 000. Donc voilà, alors c'est un masque de la marque Talica, le premier masque multifonction qui se présente comme ceci, combinant light thérapie et électrostimulation. Je vais vous en parler un petit peu mieux, mais en tout cas en quoi ça consiste, en fait ça consiste à enlever les imperfections de la peau, lisser la peau, voilà, enlever les ridules, les premières rides etc, et c'est vraiment un
un truc de dingue. Donc je l'ai testé juste hier pour voir un petit peu et pour pouvoir vous en parler. Mais j'attendrai de le tester un petit peu plus longtemps pour vous donner mes premières impressions. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment halluciné. J'ai trouvé ça vraiment très 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 innovant. Donc voilà comment ça se présente au niveau de l'emballage. Et du coup, je l'ouvre. C'est un masque. Franchement, c'est trop dingue quoi. Et en plus, c'est anti-stress aussi. Voilà, j'ai testé ça hier. Anti-stress et anti-imperfection, etc. Donc voilà, quand on ouvre, c'est comme ceci. Je vous montre tout les amis. Regardez comment il est. Et c'est un truc de dingue. Franchement, j'adore. Donc, on le met bien sûr sur une peau démaquillée. Voilà. Vous mettez un petit peu d'eau sur votre visage et vous l'appliquez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ah, c'est trop dingue. C'est trop stylé, quoi. Franchement, j'aime trop quand on le met. Et du coup, voilà. Vous le mettez et c'est comme ça ici. Voilà. Hop, c'est comme ceci. Vous voyez, au niveau des yeux, vous mettez ça sur vos yeux. Voilà. Et vous programmez juste avant, au préalable. Voilà. Vous l'allumez. Voilà, et vous choisissez, voilà, c'est le Genius Light. On met en français et vous avez plusieurs modes différents. Alors, vous avez, par exemple, les premières rides. Est-ce que vous voulez travailler là-dessus? Est-ce que vous voulez travailler sur la méthode anti-âge, anti-tâche, voilà, anti-imperfection? C'est ce que j'ai fait hier, détox, anti-stress, c'est ce que j'ai fait en premier hier, coup d'éclat. Et après soleil, voilà, il y a un petit peu de tout. Et bien sûr, les amis, pour recharger votre petit masque, il suffit juste de brancher le masque avec votre câble USB sur l'ordinateur. Tout simplement, c'est tout bête. Et on a reçu aussi une petite pochette comme ceci, voilà, pour mettre votre masque à l'intérieur pour partir en voyage, etc. Ça peut être vraiment génial. C'est écrit Talika dessus. Hop là, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est écrit Talika, il est vraiment trop bien aussi. Alors en fait, je vous explique, moi ça m'a complètement fait halluciner, ça m'a impressionné. Donc déjà, ça a été inspiré par les travaux de la NASA, j'ai trouvé ça complètement incroyable, complètement dingue. Donc si j'ai bien compris, vous allez avoir des micro-courants, voilà, qui vont un petit peu, voilà, rentrer dans votre peau, etc. et agir. Vous allez avoir des effets liftants, vous allez avoir des effets, comment dire, bien-être, vous allez avoir des effets détox, enfin plein de choses vraiment très très bon, très bien pour votre peau. Et franchement, ce masque-là, il est vraiment trop révolutionnaire. Moi, quand je l'ai porté hier, donc moi, j'ai testé qu'une seule fois, donc je peux pas vous en parler un petit peu plus, mais en tout cas, quand je l'ai testé, voilà, vous le mettez sur vos yeux, vous activez d'abord, comme je vous ai dit, et après, on peut regarder la télé, on peut lire, etc. Tranquillement, je l'ai trouvé vraiment relaxant, je l'ai trouvé très apaisant. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, donc j'ai hâte de le tester encore une fois, mais ça peut être une très bonne idée de cadeau de Noël, ça, franchement, et franchement, je connaissais pas du tout. Donc voilà, il est dispo le 11 décembre, voilà, je l'ai eu en avant-première, il est dispo le 11 décembre chez Sephora, donc si vous voulez craquer ou avoir des renseignements un petit peu plus, etc., n'hésitez pas à foncer chez Sephora et aussi sur le site de Talika, je pense qu'il est disponible aussi. Donc voilà, en tout cas, je trouve ça vraiment révolutionnaire et je suis trop contente de pouvoir le tester. Et enfin les amis, en dernière idée de cadeau de Noël, je voulais vous montrer ceci, voilà ceci, le joli parfum de la marque Clinique, voilà, Aromatic in Blacks. Oh, il est trop beau, il est vraiment trop chic, regardez, il est vraiment trop beau. Alors comment il sent? Attendez, hop, Aromatic in Blacks. Oh, ils sont trop bons. Oh, mon Dieu. J'ai aspiré comme une folle. Ils sont super, super bons. Waouh. Ah, ça, c'est le petit masque qui s'éteint. Voilà. Éteins-toi, ouais. En tout cas, il est vraiment trop, trop cool, ça. Donc, voilà, vous avez un petit aromatique. C'est une blague, voilà, qui est comme ceci. Vous l'avez aussi en white, en blanc également. Donc, le packaging est juste là. Hop là. Ta-da ! Il est là, le packaging. Il est vraiment trop beau. Franchement, j'adore. Ils sont trop bons. Je vous parle là, il y a encore la senteur et tout, ça sent divinement bon, franchement j'adore. Donc c'est écrit juste derrière, dans le noir se dévoile un mystère infini, un sillage audacieux de myrrhe précieuse, d'accords fruités, de notes florales exotiques vous entraînent vers de nouvelles profondeurs irrésistibles. Ils sentent très bon, franchement ils sont trop bons. Ils sont super super bons les amis, donc gros coup de cœur, franchement je suis très contente, bravo Clinique, c'est vraiment canon. Et dernière chose que j'ai reçue, et vous savez que tout le monde aime les produits Huda Beauty, donc c'est bien sûr ceci. Et franchement ça aussi je pense que n'hésitez pas à faire plaisir à vos proches. Bon ça je sais pas quand est-ce que ça va être sorti, mais je voulais vous le montrer aussi dans cette vidéo. Donc c'est le Power Bullet et on va le découvrir tous ensemble. Mais je vais regarder un petit peu déjà sur, j'ai regardé sur Instagram et je pense que ce sont, wouh. Ah ouais d'accord, Huda Beauty elle ne fait rien à moitié, thank you so much Huda, c'est trop beau, alors regardez, oh, wouhou. Oh, c'est trop beau ça, les petites, c'est trop mignon, franchement c'est trop canon, oh, eh mais il y en a plein, ok d'accord, ah c'est trop canon. C'est trop beau, donc voilà, on adore, c'est trop beau, donc je pense que ce sont des gloss, je sais pas du tout, mais je vais voir, attendez, j'ai plein de, j'en ai plein partout, mais c'est trop mignon, voilà, des beaux gloss comme ceci. Donc elle me les a envoyés en avant-première, je suis trop contente. Donc j'ouvrirai les packaging et je vous les montrer un petit peu de plus près. Oh,
Waouh, je suis trop contente les amis. Donc voici les petits rouges à lèvres. Voilà, donc ce sont des gloss. Je sais pas trop exactement ce que c'est, mais on va découvrir tout ça ensemble en avant-première parce que je pense que personne n'en a parlé encore. Je viens tout juste de le recevoir. Donc, oh, c'est trop beau déjà, c'est vraiment très beau. Waouh, est-ce que vous voyez, j'espère vraiment que ça va ressortir aussi bien à la caméra qu'en réalité. Je pense que oui, parce que là j'ai amélioré la qualité vidéo. Donc je pense que vous allez voir un petit peu, vous voyez, ça reflète, etc. Ils sont trop bons aussi, j'aime beaucoup. Et du coup, je le swatch directement, hop là. C'est trop beau, c'est super super beau. Et ça, ça tombe pile poil, voilà, ça tombe à pic pour les fêtes de Noël et du 31. C'est vraiment très joli. Il brille, etc. Donc en fait, c'est un rouge à lèvres scintillant, très très beau et légèrement glossy. Ensuite, je vous montre une autre teinte. Donc là, la première teinte, c'était la teinte After Party. Bah voilà, après la soirée, Metallic Lipstick NYE. Voilà, New Year Eve. Voilà, donc le nouvel an. Oh, trop beau, trop beau. Franchement, j'adore au raisin, c'est magnifique. Je le swatch. Waouh, ça c'est mon style de couleur aussi quoi, j'adore les deux, franchement j'aime beaucoup. Et enfin le dernier, le petit bébé, le petit dernier, voilà, c'est gravé Huda Beauty ici, vous voyez c'est trop joli. Je vous le swatch aussi. Ouh, alors là c'est le Cake Day. Voilà, et je vais le swatcher juste là. Trop beau, trop canon aussi, j'adore. Moi ma teinte préférée c'est, je pense que c'est celle-ci. La première finalement, voilà, très jolie, mais en tout cas voilà, ils ont l'air vraiment trop trop bien. Donc voilà, ce sont les bullets, comment elle a appelé ça? Attendez, je regarde, les bullets, power bullets, voilà, trop trop beau aussi. Donc voilà, ça peut être une très belle idée de cadeau de Noël également. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire quelles sont vos idées de cadeaux de Noël. Qu'est-ce que vous avez écrit les amis sur vos wishlists, j'ai trop hâte de savoir tout ça. Et voilà mes amours, c'est tout pour cette vidéo, j'ai trop aimé vous la faire. Donc bien sûr, comme toujours, mettez plein de gros pouces en l'air dès maintenant, allez-y. Comme ça je ferai encore plein d'autres vidéos dans ce style là. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la Makeup Chic Family en cliquant juste ici de ce côté là, bien sûr juste en dessous. Et activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche aussi ici de ce côté là. Bref, quant à moi je vous fais des gros bisous, je vous aime de tout mon cœur. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bisous, je vous aime, ciao. You know you can follow me, call on me, darling. You know you can follow me, you can't stop the tears from falling down.